Salut, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Aujourd'hui, comme je vous l'annonçais hier, trois citations et non pas une seule au sujet de l'argent. C'est ma dernière vidéo récente, en tout cas au sujet de l'argent. Ensuite, demain, je passerai à un autre thème. Donc, cette citation, cette première citation que je voulais partager avec vous, c'est une citation de Robert Kiyosaki. Il est très connu, hein, donc vous le connaissez peut-être. Il est né en 1947. C'est un entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel et en particulier au sujet de ce concept d'éducation financière. Il a écrit plusieurs livres au sujet de l'éducation financière. Et Robert Kiyosaki dit ceci: l'argent n'est pas le but. L'argent n'a aucune valeur. Ce qui compte, ce sont les rêves que l'argent vous permet d'accomplir. Je répète, l'argent n'est pas le but. L'argent n'a aucune valeur. Ce qui compte, ce sont les rêves que l'argent vous permet d'accomplir. Et maintenant, on passe à la deuxième citation. C'est une citation de Chris Brogan, qui est né en 1970, qui est un Américain, un auteur américain, journaliste, consultant en marketing, etc. Lui, il dit ceci: le but n'est pas l'argent, le but est de vivre la vie suivant vos propres termes. Le but n'est pas l'argent, le but est de vivre votre vie, de vivre la vie suivant vos propres termes. Enfin, pour terminer, une citation de Henri David Thoreau, qui est né le 12 juillet 1817. Il est né en 1817. C'était un essayiste, un enseignant, un philosophe, un naturaliste, amateur et poète américain. Merci Wikipédia. Donc, qu'est-ce que Henri David Thoreau dit au sujet de l'argent, et plus exactement au sujet de la richesse? Il dit ceci: la richesse, c'est la capacité à profiter pleinement de la vie. La richesse, c'est la capacité à profiter pleinement de la vie. Alors ma question, c'est: est-ce que vous, vous profitez pleinement de la vie? Est-ce que vous, vous vous sentez riche? À demain pour une prochaine vidéo. Salut! Dans cette vidéo, on va parler de réaliser ses rêves et de vivre la vie comme on l'entend, c'est-à-dire sans se laisser influencer par les standards de la société et sans se laisser brider par notre environnement.